des affaires gouvernement, bonne maman honorable, et tout le monde à l'écoute, bon après-midi. Monsieur le Speaker, en lien avec l'article 154.6 Constitution et section 30 en bas Public Finance Management Act 2012, aujourd'hui, mon pays donne à l'Assemblée un revue de performance budgétaire pendant sa première 6 mois pour l'année 2021 et présente révision budgétaire pour sa l'année. Pareil, nous au courant, le gouvernement est en bas avec un programme de réforme économique avec 6 points Fonds monétaire international, IMF, ça l'en est. Avec B, pour faire nos dettes plus soutenables, et naturellement, ça pour nécessiter certaines mesures fiscales qui pour faire nous accomplir nos bonnes targets qui nous agréent avec IMF. Monsieur le Speaker, bonheur, ça l'en est, l'Assemblée qui approuve un budget 11 638 296 €. Et avec ça, le gouvernement qui pour faire un déficit fiscal primaire 11,8% nous produit domestique brut GDP. Basé nos performances premiers 6 mois et nouveaux projections pour ça l'année, nous pouvons prévoir un déficit fiscal primaire 6,7% nous GDP. Ça, il y a amélioration 4,2% nous GDP, ou soit 868 millions roupies. Sa projection est plus favorable que ça qui nous agrée avec IMF. Et ça, il donne nous l'espoir et confiance qu'il nous donne bonne direction vers un dette plus soutenable. Mais nous avons toujours besoin d'imaginer qu'il nous encore dans une période d'incertitude avec la pandémie COVID-19. Avec la réouverture de la frontière en mars à l'année, nous noirs, qui secteur tourisme, peut faire plus bien que nous y prévoir au commencement à l'année. Nous y prévoir une croissance domestique brute de 0,08% pour l'année 2021. Mais avec nouveau développement du secteur tourisme, nos projections sont révisées pour arriver 6,7% pour l'année 2021. Nos bons indicateurs initiaux peuvent montrer que nous sommes capables en mettre un an 32,5% d'augmentation de l'arrivée des bonnes visiteurs nous comparons avec l'année 2020. Sans l'augmentation de croissance du secteur tourisme, il y en a un effet plus favorable de bon secteur qui est relié avec le secteur tourisme. Dans les autres secteurs qui peuvent continuer en croissance, il y a le secteur de l'information et de la télécommunication, et aussi le secteur de la production manger. Monsieur le Speaker, le côté de nos performances fiscales, pour sa première 6 mois, nous atteignons un déficit fiscal primaire 2,7% GDP par rapport avec un déficit 10,5% qui nous tient projeté à la fin juin 2021. Ça, il veut dire qu'il nous amasse plus de revenus qu'il nous tient prévoir et nous aussi dépense moins qu'il nous peut anticiper. En bas revenu total, nous prévoir une réduction de 242 millions roupies comparé avec le budget initial. Mais ça, il est principalement relié avec réduction en bas bandon qui nous tient prévoir pour gagner ça l'année. Sa réduction est principalement à cause du retard que nous avons rencontré dans la procédure pour faire sa bandon vient une réalité en vie sa pandémie COVID-19. Monsieur le Speaker, le temps nous présente le budget 2021, nous pouvons prévoir qu'il y a un moyen $1 pour 22,68 €. Mais par contre, nous voyons que l'économie récupère plus vite que nous pouvons prévoir et roupie peut continuellement apprécier. Mais projection moyenne pour ça en est 18 ou 28 €. Ça, il aide pour faire bonnes dépenses et revenus qui relient directement avec devise pour descendre substantiellement. Là, Monsieur le Speaker, laisse-moi dire que sa réduction remarquable de taux d'essence est résultat direct décision décisive qui sa gouvernement qui prend plus bonheur ça en est. Pour te répondre sa programme vaccination et réouvrir le pays en mars. Nous avons besoin d'agréer que sa décision est une plus bonne solution pour l'économie du pays. Résultat, sa décision est cause pour lui-même. Revenu taxe, il performe plus bien qu'il nous tient prévoir par 8%. Et ça, il relie avec le secteur tourisme qui nous performe plus bien avec réouverture airport. Nous révisons la projection revenu taxe par 7%. Sorti 6,2 billions roupies pour arriver 6,6 billions roupies.
à cause de la bonne décision que le gouvernement prend, l'économie du pays peut reprendre doucement, doucement. Nous encore bien loin avec bon sif, ainsi bien qu'il bonne activité économique dans la période avant sa pandémie COVID-19. Il restait beaucoup pour faire. Et toujours, on a beaucoup de risques capables d'affecter sa recovery. Sa gouvernement peut travailler sans cesse pour remettre nos situations économiques et financières loin bon chemin. Ça y est, un travail continu et difficile. Mais nous déterminons à cause des bénéfices de ce travail pour aller directement pour nos peuples et nos pays. Mais nous, ces mains sont encore très longues. Monsieur le Speaker, le côté dépenses, pour sa première 6 mois, nous dépensons 28% en moins qui nous tient projecté. Si tout, en bas de projet capital qui nous bouge plus doucement que nous pouvons anticiper. Et basé sur le revibidze, qui ministère finance in fait ensemble avec tous les autres ministères, gouvernement inouar qui est capable de réduire certaines dépenses, faire un peu plus de savings sur le projet ou sur programme qui n'est pas pour matérialiser ça l'année. Dépenses totales, il a réduit par 1,2 billion roupies. Et ça, il fait que le gouvernement peut présenter une réduction assez substantielle pour sa l'année comparée avec l'année auparavant. Monsieur le Speaker, sa grosse réduction budgétaire qui m'a présenté aujourd'hui pour marquer dans l'histoire du budget de nos pays à cause pour la première fois dans une revue budgétaire midi l'année. Le gouvernement peut présenter avec l'Assemblée un revue budgétaire qui environ 1,2 billion ou plus en moins qui tient prévoir initialement. Ça, il y a un gros accomplissement de lui-même. Avec sa projection, le gouvernement pour réduire son déficit balance primaire et nous peut projeter finir l'année avec une position déficit fiscal primaire 7,6% au lieu 11,8% qui nous est présenté dans le budget initial pour sa l'année. Sa réduction de dépenses gouvernement. Il montre nous que sa gouvernement essaye dans son démarche pour faire service public plus efficace par réduire gaspillage et dépenses côté nécessaire. Sa concept fait plus et moins, peut être pratiqué et là nous peut commencer à résultat. Mais il y en a encore une quantité plus pour faire. Monsieur le Speaker, avec sa grosse réduction de budget 2021, nous avons bon semen et sa gouvernement pour continuer sa même semen. Le gouvernement peut faire son bout pour réduire son dépense. Monsieur le Speaker, malgré ça, nous avons certaines réallocations budgétaires qui peuvent besoin de faire. Et le gouvernement peut faire une demande pour un budget supplémentaire en accord avec section 154.6 de la Constitution pour une somme 303 911 788 roupies. Ça, il est financé par une réduction de dépenses nous budget pour une somme 1 429 423 553 roupies 55 sous. Ça y fait, M. le Speaker, qu'aujourd'hui, on peut présenter avec ça l'Assemblée une réduction 1 125 511 764 roupies 72 sous de budget 2021. Ça demande. Il comme ça, en vue qui budget est approprié d'après budget head, ça veut dire si le gouvernement a envie augmente appropriation pour un autre head, il besoin de demander l'approbation de l'Assemblée et non pas juste faire ça l'augmentation. Monsieur le Speaker, avec ça, on peut passer en revue le bon demande additionnelle que le gouvernement peut demander. En bas salaire, un somme 39,8 millions roupies, peut demander comment budget supplémentaire. Des sommes plus gros en bas salani, 8,4 millions roupies en bas ministère des Affaires étrangères et tourisme, qui relié avec transfert salaire STB qui n'entrait en bas sa ministère. Mais le temps regardé, il pas un nouveau budget, mais un transfert sorti en bas STB par le code département tourisme avec nouveau restructuration. Un somme 27,9 millions roupies en bas other wages pour couvrir déficit en bas gratuité avec compensation. Par contre, dans le salaire, il y a aussi une somme 76,3 millions de roupies qui peut être coupée. Ça, il y a envie de faire des savings et aussi de transfert sorti côté une entité pour aller côté l'autre. Dans le bien et services, une somme 174,7 millions de roupies peut être recommandée comme budget supplémentaire. Ça est couvert
Département Kilti, point somme 0,897 millions de roupies pour couvrir son rente. Ministère des Affaires étrangères et tourisme, un somme 104 millions de roupies, en vie qui estime une transfert en bas à ministère. Un somme 7,6 millions qui peut recommander en bas ministère de l'Agriculture, changement climat et l'environnement pour couvrir plus ou moins déficit en bas de projet nettoyage. Sa somme inclut 1,2 millions de roupies pour couvrir déficit en bas son rente. En bas ministère de la jeunesse, sport et la famille, un somme 0,31 millions de pégayes recommandés pour couvrir déficit en bas rente en vie, qui se pangaye sa 25% réduction des autres rentes pour tous autres l'endroit. Un somme 1,2 millions de roupies en bas ministère de l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie, ça est couvert transfert budget NISTI qui tient l'agence et qui transfert en bas à ministère. Pour commission la vérité, réconciliation et l'unité nationale, nous pouvons recommander un somme 1,3 million de roupies qui pour couvrir déficit en bas son rente pour son bon office et l'accommodation, et aussi un sa somme pour faire provision pour un consultant légal. Un somme 55 millions de roupies qui est recommandé pour l'agence agriculture pour couvrir dépenses, bon subvention pour bon fermier et shortfall en bas sécurité. Monsieur le Speaker, en bas biens et services, nous pouvons aussi faire un budget cut de 116,9 millions de roupies qui couvrent savings et réallocation de différents ministères, départements et l'agence. De proposer capital, un somme 29 millions de roupies peut être recommandé comme budget additionnel et un somme 836 millions de roupies comme budget cut. Ça y a envie, bonne projet qui pas pour compléter en 2021 et bonne projet qui pas pour matérialiser ça l'année. Si tout, bonne projet financé par bonne prête et bonne don. Il y a aussi un somme 27 millions de qui peut être recommandé en bas subvention to public enterprise qui parle pour SPTC pour aider les couverts sur les dépenses opérationnelles pour ça l'année. En bas benefits and approved programs sur VSP. Un somme 14 millions de roupies peut être recommandé comme un budget supplémentaire. Ça est pour couvrir bonne dépense en bas bénéfice pour bonne personnes avec des habilités. Un budget supplémentaire peut aussi être recommandé en bas subscription to international organization pour couvrir déficit pour un somme 16,2 millions de roupies. Et finalement, un somme 2,8 millions en bas contingency pour couvrir bonne dépense reliée avec la pandémie COVID-19. Monsieur le Speaker, en bas cette année, nous proposons un budget cut comme suivant. Dans net lending, un budget cut pour un somme de 236,8 millions, en vie retard d'apposer en bas PUC et aussi en vie réduction de devises étrangères. Dans development grants to public enterprise, il y a un budget cut pour un somme de 50,7 millions de roupies. Ça est relié avec l'ASA qui tient mettre en bas SPTC Foreign Loan qui est pour acheter bon bis. Monsieur le Speaker, nous pouvons prévoir pour faire seulement un paiement sur l'année et la reste en paiement l'année prochaine. Pareil, mon DESA informe l'Assemblée de réponse à question ISAN par membre honorable sur l'année. Sa budget supplémentaire, il plus ou moins une réallocation budget. Détail, il paraît nous pouvoir des documents qui ont été circulés. Monsieur le Speaker, le côté de dette gouvernement, à la fin juin 2021, nous dette totale est 18 millions, ou soit 80,7% du GDP. Comparé vers la fin 2020, quand nous dette 100,8% du GDP. Ça, il représente une réduction de 20% dans moins qu'un an. Monsieur le Speaker, avec vos permissions, je vous demande qu'il y ait un technicien du ministère des Finances, Planification l'économie et commerce, il fait une présentation plus détaillée qui a permis de bon membre honorable et bon membre public qui peut écouter en a plus de détails pour sa revue budget 2021. Ça, il y avec bi amène plus la transparence et faire public participe plus de procédure budget pays. Monsieur le Speaker, moi aussi demande si pour bon membre de l'Assemblée, les motions, le budget supplémentaire, il est établi devant l'Assemblée nationale pour de l'approbation. Mais avant de terminer, Monsieur le Speaker, mon j'ai envie de refaire un appel avec tout le monde qui nous aimait pour sortir de sa crise économique qui nous pays peut passer à travers il y a encore très long. Sa gouvernement peut faire son bout
par réduire son dépense et gaspillage quand nécessaire. Sans même ça qui aujourd'hui, nous sommes capables de présenter à l'Assemblée un revenu budget qui est 1,2 billion roupies en moins qui nous tient pour y voir. Dans sa démarche pour l'ECCL, M. le Speaker, nous tous, nous avons besoin de jouer un rôle. Merci, M. le Speaker. Merci. Merci, ministre. Ministre, est-ce que vous